Ce shiur est dédié pour l'élévation de l'âme de Denise Donna, Bat Frecha Zichron Levracha. À Haïfa, on appelle en Israël la ville rouge, d'accord? C'est une ville qui, à la base, est extrêmement communiste. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Russes là-bas et beaucoup d'Arabes. C'est peut-être la grande ville d'Israël qui est la moins religieuse. Il y a dans la région un petit village religieux qui s'appelle Rechassim. Et les élèves, de temps en temps, vont de Rechassim à Haïfa pour aller là-bas à la piscine. Le caissier de la piscine, pour raison inconnue, des fois est absent de la caisse. Il n'est pas là. Et un beau jour, on ne comprend pas, on voit au mikvé, il y a quand même un mikvé à Haïfa là-bas, un petit quartier religieux, on voit le caissier non religieux qui vient là-bas tremper au mikvé. Bon, semaine d'après, il revient pour la veille de Shabbat, et on voit mettre un tel katan. Quelques semaines passent, on voit qui passe sur la tête, et à la fin, il annonce « j'ai fait tchouva ». Il a 60 ans. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, ben, je suis caissier, des fois je suis obligé de quitter mon poste, et les gens rentrent. Ben, un jour, je suis revenu comme ça, il y avait quelques dizaines d'élèves de la yeshiva de Rechassim qui étaient là et qui attendaient depuis presque une heure pour rentrer, ils ne voulaient pas rentrer sans payer. Bon, ils ont payé, je suis rentré, mais c'est extraordinaire. Les non-religieux, ils rentrent, sont très contents de ne pas payer. Eux ne rentrent pas m'attendre une heure pour payer. Et d'où ça vient cette éducation-là? Certainement de leur Torah. J'ai commencé à feuilleter un peu, j'ai vu que c'est tellement beau, tellement grand, j'ai essayé de... Je fais le tchouva. On ne se rend pas compte de l'impact que nous avons par nos actes. Dieu dit dans le prophète, le monde que j'ai créé pour mon honneur. La plus grande de toutes les mitzvot, c'est Kiddush Hashem, sanctifier le nom de Dieu. Le plus grave de tous les péchés, c'est profaner le nom de Dieu. Quand quelqu'un fait un acte, en public, devant une personne, qui va faire que les gens vont dire, regarde comme c'est beau la Torah, regarde comme c'est juste, il a fait la plus grande mitzvah qu'il puisse y avoir. Et si au contraire, il ne le fait pas. Quelqu'un est au magasin, je ne sais pas moi, il fait la queue, il fait un rot. D'accord? Ou il dit un mot insolent. Il ne se comporte pas comme il faut, n'importe quoi. Il fait des rires Hachem. Au contraire, s'il est souriant, il est gentil. Rien que par un sourire, on peut faire tchouva à quelqu'un. Surtout dans ce monde aujourd'hui, personne ne sourit vraiment, personne n'est gentil, personne pense à l'autre, ne pense qu'à soi. Quand on voit que quelqu'un est gentil, il est bon avec son entourage, mais c'est énorme. Donc on a beaucoup à apprendre de cela. Nous on est des amoureux d'Hachem, et c'est marqué, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, tout ton corps, tout ton pouvoir. Le siffle pour la question, comment faire pour l'aimer? Le faire aimer. La plus grande mitzvah d'aimer, c'est faire aimer Hachem. Quand tu vas te comporter comme il faut bien, à cause de ça, les gens vont dire, ah, c'est beau cette Torah, tu vas faire que les gens vont aimer Dieu, tu fais la mitzvah de Kiddush Hachem, tu fais la mitzvah de aimer Hachem, tu fais les plus grandes mitzvahs qu'il puisse y avoir. Que Dieu nous aide à être des exemples, et non, ça demande du travail, parce que des fois on s'énerve. Il faut se retenir, et tu ne te retiens pas, et tu fais du Kiddush Hashem. On voit un religieux. Il faut comprendre qu'un religieux, même qui est un nul dans le monde religieux, pour les gens de l'extérieur, c'est un rabbin. T'as le kippa sur la tête, t'es un rabbin. T'as une barbe, t'es un grand rabbin. T'es habillé en noir et blanc, t'es le plus grand rabbin du monde. D'accord? Quelqu'un prend l'avion, par exemple. Combien de fois j'ai vu des comportements de religieux tordus, mais t'as un avion entier qui te regarde. Et au contraire, des gens qui étaient super bien. Ça change complètement, c'est énorme. On peut gagner beaucoup de paradis ainsi, ou chasse shalom, beaucoup d'enfer ainsi. Que nous fasse gagner beaucoup de paradis. Amen. Baruch Adonai, Rahman, Amen.